Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour une création de pièces du puzzle de l'amitié. Donc c'est quoi le puzzle de l'amitié? C'est un puzzle que j'ai recouvert de blanc et on le crée ensemble. Donc vous me donnez des numéros de pièces, un fond d'une couleur, un animal, la couleur de l'animal et moi je réalise le dessin ensuite. Toutes celles qui sont en jaune, c'est les pièces que j'ai déjà réalisées. Toutes celles qui sont cochées, c'est les pièces que j'ai à réaliser. Et toutes celles qui sont blanches, c'est les numéros que vous pouvez m'attribuer. Donc on va tirer au sort l'animal du jour. Donc ça, c'est les fonds que j'ai déjà réalisés. Et ça, c'est les pièces que je dois cocher. Alors, qui est l'heureux élu ? Daniel Chrétien, le 30 mai, numéro 68, oiseau bleu, je choisis un fond vert clair. Je n'avais pas dû me donner deux fonds, donc c'est celle-là et ça se met dans ce sens. C'est parti. Alors, pour ce dessin, donc un oiseau bleu, moi, sur un fond vert, j'ai eu envie de faire un petit pan. Donc le petit pan, on va lui faire une petite tête toute mignonne. Tac. Tac. Avec un corps. C'est mieux hein, s'il a un corps. Des petites pattes. Ouais, les pattes, on ne se foule pas sur les pattes. Hein. On disait qu'il était dans l'air, mais on ne voit pas trop bien ses pattes. Et donc on va faire sa queue. Alors attendez, comment je vais faire? Tac, ouverte, hein, évidemment. Ses plumes majestueuses. En fait, c'est une fleur, quoi. En fait, un pan, c'est une fleur. Tac et tac, voilà, ça y est, j'ai fini mon pain. Qui c'est qui a fait quelqu'un sur mon pinceau? On va faire plus grand. Voilà, donc ça c'est son bidon, ça c'est l'autre. On va ça de toute façon, hop, 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 c'est une fleur, hein. Un pan c'est une fleur, hein. Franchement, c'est pas pâte, c'est pas pâte. Allez, on se colorie tout. Je savais pas qu'un pan c'était une fleur, vous saviez vous? C'est la première fois que je dessine un pan, hein. Capricieux mon Posca là, ça va, il est gentil. Hop, hop, hop. Voilà, je vais aller le sécher maintenant. Allez, c'est parti. Au séchage, petit pan. Alors, me revoilà. Et on recommence à faire notre petit pan. Je ne sais plus où était sa tête hein, maintenant. Alors, on lui fait une petite crête. Tac. Une tête ronde. Un corps. Tac. Voilà, comme ça. Ça, on va y faire hop ses ailes de devant là comme ça, ses pattes on a dit qu'on faisait n'importe quoi, hop, et maintenant sa jolie queue de plume de pin.
Tac. Là, j'ai déconné un peu là, non? Je vais refaire un peu de blanc là. Hop. Tac. Tac. Et on refait notre fleur. Là, je vais remettre un peu de blanc. Donc là, on fait des espèces de ça là. Ça s'appelle comment? Je ne sais pas. Des demi. Des trucs. Voilà là. Hop. C'est des gouttes d'eau. Ouais, on disait. Ouais. C'est une goutte d'eau à l'envers. Ouais, demi-cœur. J'ai envie de faire un cœur à chaque fois. Demi-cœur. Tac. Normalement, il y en a deux, mais ça va être chaud. Oh, puis j'ai envie de faire un cœur. Ça m'a. Mais non. Tac. Tac. Là, c'est sa petite tête. Tac. 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 On va lui faire ses petits yeux. Petits yeux. Ding. Ding. Ils ont toujours des drôles de yeux, mes bonhommes. Hein. Son bec. Voilà. Alors, on va le faire dans les tons bleus, hein, évidemment, bleu et vert. Donc, bleu, qu'est-ce que j'ai comme bleu? J'ai ce bleu-là, là. Oui. Donc, on va faire ça. Tac. Tac. J'ai envie d'éternuer encore. Tac. 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 Ben là, hop, on va faire ça. Là, je sais plus où j'en suis. Là, ici. Peut-être agrandir un peu. Tac. Ça prend forme, hein, c'est mignon. Voilà son petit corps. On va faire bleu, mais d'une autre couleur. J'ai pas beaucoup de bleu, hein. C'est pas facile. Les défis sont pas faciles, les amis. Moi, je vous le dis. Sa petite tête, elle est bleue. D'accord, alors on va faire du bleu là. Tac. Tac. On va faire du vert. Vert, celui-là, il peut être pas mal, je pense. Ouais. Donc on va faire à moitié vert aussi là. Et dans l'intérieur, on fait comment? Voilà. Ça prend forme, les amis, ça prend forme. Sauf que j'ai des feux qui recouvrent le noir. C'est pas pratique. Hop. Tac. Tac. Tac, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Une autre sorte de vert à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Celui-là, là, qu'est-ce qu'il dit celui-là? Ouais, c'est pas mal. Puis je vais remettre un autre bleu. Tac, je vais faire ça. J'essaie de retrouver un autre bleu, même si je suis pas riche en bleu. Celui-là. On va essayer celui-là, hein. Voilà.
Voilà, comme ça, elle est pleine de teintes. Voilà. Il y a du blanc parfois, mais c'est parce que, en fait, comme j'ai mes feutres qui couvrent le noir, et ben après, on voit plus trop le noir. On va lui faire son petit bec. C'est où ça? Son petit bec orange. On va prendre celui-là. Il va être trop gros, mais bon. Hop, voilà. Il est mignon quand même. Moi j'aime bien. Il a fait ses pattes oranges, non? On va mettre un peu d'orange là. Hop. Voilà. Regardez. Oh, il est mignon mon oiseau bleu. Donc c'était oiseau bleu. Sur fond, bah, que j'avais choisi vert clair parce que la personne ne m'avait pas donné de fond. Voilà. Mais je le trouve trop mignon. Je me félicite. Bravo Angélique, je te félicite de ce très joli exploit du premier pan de ta life. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut!